Salut tout le monde, c'est Jérémy, me revoilà pour un nouveau tuto cocktail pour notre session hebdomadaire de la Pierreur des Altropis. Alors, le cocktail que je vous propose aujourd'hui est une de mes créations, à moi, que j'ai créé lorsque j'habitais en Asie. Car j'avais remarqué que là-bas, les gens adoraient boire du whisky avec du thé glacé. Alors j'avais décidé de m'approprier cette boisson et d'en faire un cocktail avec un mélange d'un de mes cocktails préférés à moi, et qui est le whisky sour. Alors, je vous avais fait la dernière fois un petit tuto sur le whisky sour. Donc, ça reprend un peu la même recette. Donc, c'est du whisky, donc du thé vert, comme son nom l'indique, donc le green tea sour. Du sirop de miel. Alors, sirop de miel, c'est un mélange de sirop de sucre et de miel à part égale. Pourquoi le mélanger? C'est parce que le miel tout seul, c'est très épais. Ça se dilue pas très bien et c'est un goût qui est très fort. Donc, moi, je recherche la douceur du miel sans avoir un goût qui va prendre le pas sur le reste. Du jus de citron. Et du blanc d'œuf pour faire mon savoir. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu que j'avais utilisé de l'angoustoir la dernière fois. Je ne vais pas en utiliser cette fois-ci, car il y a déjà du thé vert qui va apporter une amertume. Donc, on ne va pas faire ton sur ton, donc on va le laisser comme ça. Donc, c'est parti, on va faire le green tea savoir. Alors, on va mettre 500 ml de whisky. Voilà. 4 à 5 cl de thé vert. Voilà. Sirop de miel, pardon. Voilà. 3 cl de jus de citron. Donc il y avait 2 cl de sirop de miel, 3 cl de jus de citron et un blanc d'œuf. Alors, on va encore utiliser la technique du dry shake qu'on avait utilisé la dernière fois. Encore une fois, c'est pour émulsifier le blanc d'œuf à chaud, ce qui va te permettre de faire une belle mousse dans le cocktail. Alors, encore une fois, faire attention parce que vu que le shaker n'est pas scellé par le froid, ça peut éclabousser, donc il faut vraiment bien le tenir. Voilà, là on a une belle mousse qui se dessine. Maintenant je peux rajouter mes glaçons. Celui-là, on va le garder là. Et maintenant, on va shaker ça bien fort. Et c'est parti. Alors voilà, maintenant qu'il est bien shaké, on va le servir dans le verre que j'ai gardé sur le côté. Bien refroidi. Maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Regardez-moi cette belle mousse. Cette belle émulsion, ça c'est un régal. Voilà. Bien prendre pour garder toute la mousse. Voilà. Maintenant, je garde avec un petit peu de poudre de thé sur le dessus. Voilà, il ne reste plus qu'à le goûter. Santé les amis. Et voilà, ça délice. Voilà, c'était mon green tea sour. À vous de le faire chez vous et à la semaine prochaine.